Bonjour, nous nous trouvons ici dans la 3W Galerie, rue Henri IV, à Reims. Et on présente ici un certain nombre de mes travaux sur les poissons et sur le thème de l'eau. Série qui a commencé à l'été 2018. Donc je présente ici une série de 4 petits tableaux. Et on arrive là sur un format un peu plus grand, inspiré de Matisse. Alors, nous sommes ici dans mon atelier où je fais les portes ouvertes. Nous sommes le 2 décembre 2018 et je présente un certain nombre d'œuvres tout à fait récentes et en même temps quelques œuvres plus anciennes. Voilà, je vais laisser la place maintenant à Norbert Hiller, mon ami. Voilà. Je pense qu'un artiste fait toujours d'une certaine manière la même chose. On écrit toujours le même livre, mais avec des phrases, des mots, des couleurs, des perceptions qui diffèrent dans le temps. Et s'il y a bien un mot qui définit l'œuvre de Patrick Bayet, quand on regarde ses œuvres, c'est précisément le temps. Pourquoi le temps ? Parce que le temps, c'est une question qui est éminemment posée avec ce qu'on appelait la modernité. Le temps, c'est les impressionnistes qui, les premiers, en témoignent d'une manière extrêmement angoissé d'une certaine manière, cette fugacité du temps qui passe. Et pourquoi ? Parce que la modernité, c'est ce qui rompt avec la stabilité des grands récits, des cycles et de la perception du temps cosmique qui définissait les cultures traditionnelles. Et Patrick, me semble-t-il, est partagé entre deux visions du temps. Un temps qui passe très vite et dont il y a dans sa peinture quelque chose de l'ordre d'une perception des gestes, une perception de, j'ai envie de dire, l'atomisation ou la lecture du monde, à même le frémissement du vivant dans la nature, dans la perception d'un détail, etc., etc. C'est cette perception d'un temps qui s'approfondit qui me paraît extrêmement intéressante. Les choses semblent comme traversées par le passage du temps. Par exemple, ce fauteuil, il a traversé toute une histoire qui pourrait avoir été une histoire d'abord jalonnée par des noms. Moi, je pourrais très bien penser à Matisse, à même à Francis Bacon, à tant d'autres, etc. Il n'en reste pas moins que ces œuvres, elles témoignent de ces stratifications de temps, plus encore que d'espace. Mais dès lors qu'on regarde le temps à l'œuvre, dans les objets, dans le vivant, dans la nature, dans le monde, eh bien, c'est forcément l'espace qu'on interroge. Flaubert, qui fut un de mes écrivains préférés, disait qu'à force de regarder un caillou et de s'imbiber dans la contemplation d'un caillou, c'est un monde entier qui se révèle. Et l'art de Patrick Bayet, en cela un art très oriental, très inspiré par la perception et la gestualité des peintres, des calligraphes de l'extrême-orient, me paraît comme ça curieux, désireux de pousser plus loin la relation de l'espace et du temps. Et cela l'amène à perturber, déstabiliser, déstructurer la hiérarchie de la figure et du fond, du premier plan et de l'arrière-plan, de tout ce qui formait l'édifice de la culture et de la peinture classique. Donc, il s'inscrit dans ce que j'appellerais une sorte d'approfondissement des conquêtes du haut modernisme dans la peinture, des grandes ruptures de la modernité qu'il prolonge. Et en ce sens-là, son travail est très intéressant parce qu'il est à la fois très actuel, très contemporain et aussi très moderne. C'est peut-être un des derniers des modernes. Par exemple, dans cette œuvre, ce qui est clair, ce qui me paraît clair, c'est justement l'enchâssement extrêmement subtil de formes, de textures, de langages, de couleurs qui sont apparemment très hétérogène, comme s'il y avait différentes strates dans le tableau qui ouvraient le tableau à la fois dans une sorte de... qui l'ouvraient vers l'intérieur, si je puis dire, qui le repliaient vers l'intérieur. Et d'une certaine manière, le repliement du tableau vers l'intérieur, c'est aussi le grand discours de la perspective. Sauf que ce discours de la perspective à la Renaissance, il est pris dans une ligne de fuite qui désigne un ailleurs du tableau, alors qu'ici, l'ailleurs du tableau, c'est le tableau même. Et donc, on n'est ni dans la planéité qui s'est affirmé au début du XXe siècle dans l'autonomisation de la peinture. La peinture parle du monde et parle à travers le monde, mais en même temps, il n'y a que de la peinture, il n'y a pas le monde tel qu'il apparaissait sous les formes de la figuration telle qu'on l'a connue dans l'histoire de la peinture. Et c'est donc une œuvre, une pièce extrêmement intéressante par la très grande richesse, variété, intensité et densité
des compositions, des éléments qui la structurent. Voilà. Des éléments qui la structurent et la déstructurent en même temps. Le travail de Patrick, pour moi, offre, dès qu'on le regarde dans l'atelier où nous sommes, une particularité, une spécificité qui est pour moi le signe d'un artiste important. C'est quoi ? C'est simplement le fait qu'il n'y a pas un tableau qui ressemble à l'autre. Il y a certes des analogies, des résonances, mais il n'y a pas l'enfermement de cet artiste dans une stylistique, dans une recette stylistique, dans une iconologie qu'on pourrait identifier de manière trop, j'ai envie de dire, trop commerciale ou trop médiatique. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé chez Patrick, c'est que sa démarche est celle d'un artiste chercheur, d'un artiste qui ne s'arrête pas sur le point, comme l'ont fait un certain nombre de grands artistes, d'ailleurs comme Bernard Buffet, qui après tout était aussi un bon artiste. Il ne s'est pas enfermé dans une technique, dans un format, dans un modèle, dans une surface, dans un support. Il a traversé depuis 40 ans l'ensemble des formats, des supports, des problématiques, des écoles. Il a regardé les modernes d'un œil chaque fois différent au fur et à mesure qu'il avançait dans le temps et dans l'approfondissement de son travail. Et le regard qu'il porte aujourd'hui sur Matisse n'est pas celui qu'il pouvait porter il y a simplement 20 ans. J'en ai fait l'expérience puisque j'avais vu son travail à Casablanca au début de notre rencontre, il y a presque 30 ans, et je le revois récemment. En termes de format, en termes de réappropriation, ce n'est pas du tout la même approche. Alors qu'est-ce que c'est que pour moi qu'un artiste important ? C'est quelqu'un qui est capable de réinventer un médium qu'on disait parfois remis en cause par de nouveaux médias, et ce médium c'est la peinture bien évidemment, et Patrick fait partie de ceux qui ont toujours travaillé aux frontières de la peinture et de ce qui est l'au-delà de la peinture. L'au-delà de la peinture, ça peut être quoi ? Ça peut être le questionnement des formats et des échelles, des rapports entre le fond et le devant et la figure, en quelque sorte, dont c'est revisiter les questions de la figuration et de l'abstraction, c'est revisiter la question de l'un et du multiple. Il y a des petits formats, il y a des diptyques, des polyptyques, des triptyques. C'est aussi, dans la suite de Matisse, interroger l'œuvre, son entour et son contour à travers la découpe. Et j'ai noté que dans les dernières pièces, il est question de cet enjeu majeur qui est celle des frontières et des limites du cadre et du débordement du cadre. C'est une vieille histoire, mais qui n'en finit pas de se re-questionner aujourd'hui, de se redéployer dans l'espace du multifenêtrage, j'ai envie de dire, de notre monde le plus contemporain. Voilà. Donc en gros, voilà quelques aspects qui me paraissent témoigner de l'intérêt, de la richesse du travail de Patrick Bayet. Et je trouve que plus son travail avance, moins il est codifié, identifié dans un seul registre de couleurs, de formes, de dessins, d'apparence, etc.